Faglioni, Héloïse numéro 2, Chouni. Non. Numéro 1, Chantal Lépa. Bonjour, alors Marianne Codet, présidente de la CNBEA, aujourd'hui sur les championnats de boxe éducative des féminines, voilà qui se termine à midi, hein, le dimanche. Après, on va remettre un petit peu la remise, on va faire la remise des récompenses, la fête des boxeuses, voilà, avec un podium. Tout le monde, j'espère que tout le monde est content, parce que voilà, ça s'est passé dans une bonne ambiance. Les enfants sont contents, tout va bien, voilà, et on espère justement les retrouver toutes ces petites là, soit en amateur la saison prochaine, soit pour une nouvelle saison en boxe éducative. Voilà, donc dans 15 jours, on va recommencer, mais avec les garçons, c'est-à-dire 150 garçons qui vont être aussi sur la Pommeraye. Et voilà, j'espère que l'ambiance sera là et que ce sera aussi là aussi la fête des enfants. Et de toute façon, le critérium national, c'est ça, c'est la fête des enfants, et on espère que ça se passe le mieux possible. Les partenaires, donc je remercie évidemment la fédération qui nous laisse organiser à la Pommeraye, le conseil régional qui nous aide régulièrement sur toutes ces manifestations, ainsi que Jeunesse et Sport. Voilà, merci à tous. Merci à tous les officiels qui ont œuvré là, qui ont œuvré cette fois-ci encore sur le critérium. Merci aux bénévoles qui m'aident tous les ans et régulièrement et qui font un excellent travail sur ces compétitions. Merci à tous. Yeah.